Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on s'amuse un petit peu avec des boosters d'Ultimate Master. On va en ouvrir 4. On va regarder si on va être chanceux. On va faire une série de... Je pense qu'on va faire une série d'openings, là, tranquillement, pour essayer de faire durer le plaisir un petit peu. Alors, allons-y sans plus tarder. Puis, on l'a vu sur l'Internet, tout le monde en a parlé, les boosters sont lousses. Que ça les rend plus durs à ouvrir. Peut-être. Il est supposé avoir un... OK. On est supposé avoir un... On le voit-tu ici, là? Un espèce de petit... hein? Comme ça, ici, là? Mais quand on arrive dans le coin, ici, là, c'est tellement raide, le plastique, là, que tu peux peut-être endommager... Là. Les cartes sont ici, là. Le coin des cartes, là, on le voit, là, ici, là. Ça, là. On voit le coin des cartes est là, là. Si moi je continue à tirer comme ça, là, comme c'est supposé être fait, faut vraiment que je tire vers l'extérieur. Et l'extérieur, c'est-à-dire par là, là, pour... Ah, n'importe quoi. N'importe quoi, pour pas essayer de briser les cartes. Fait que... hein, on y va de même, là. On se rappellera que les boosters sont à l'envers. Oh! Cool! On voulait justement en avoir une pour mettre dans un de nos decks de monarque. C'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. On va la mettre ici. On disait un vieux classique. Je pense que je me rappelle d'en avoir vendu des originaux. Puis. OK. Les communes, je penserai pas les passer toute la game. Bon. Un avode. Merveilleux, c'est merveilleux. Bon, avec l'ouverture classique des boosters, c'était comme ça. Ouais. Tiens, on en a ouvert deux, là, il n'y a pas si longtemps, là. Pour, ouais, ça, c'est moins le fun que... C'est moins le fun que Manavol, ça. Ouais. Ensuite, c'est du... pas grand-chose qui va être joué là-dedans, en tout cas. C'est pas un booster, on va dire, joué, celui-là. Hey, on vient d'ouvrir, là, il n'y a pas si longtemps, là, deux boosters de cadeaux de Noël de Guild of Ravnica. Et que ça s'ouvre bien. Yeah, boy. Ouais. Non, c'est le coin. On va se rester avec le petit coin. Ouais. C'est ça. Que du plaisir à ouvrir. Alors, quelle couleur qu'on a? Ouais, OK. OK. Bon, ben, un Phyrexian Altar. C'est une commune, c'est une rare qui veut... Ouais. C'est sûr que ça remonte à loin, comme on pourrait dire, mais... Bon. OK, on va aller la mettre ici avec l'autre, comme ça. Et le dernier. Hey, il regarde pas les communes, il regarde pas les zones communes. À qui veut les communes, puis une commune d'un set d'Ultimate Master? Personne.
Ouais, bon, ben c'est ça. On ouvre le paquet par le côté, ben après ça, on l'ouvre de même. Bon, on fait ça. Tout le monde a sa méthode, là. Oh, on sait que c'est bleu. On sait que c'est bleu. Ça, c'est une uncommon foil. Ouh. Pas convaincu, là. Oh, regarde donc. Bon, ça peut être le fun, là, quand on en a besoin dans un deck, mais on les a souvent déjà. Ouais. Bon, ben c'est ce qui complète notre petite série. Si on résume, 4 boosters. 2 picks, assez intéressant. Donc, alors on se dit à une prochaine fois pour une autre série. Merci, bye bye.